C'est quoi, ma mère? C'est quoi? C'est jeudi, non, on parle du sujet. Il est le. Mais il est jeudi. Il est jeudi, pourquoi? Tu parles de quelle école, non? Jeudi, la liturgie, non? À l'église. Tu oublies qu'après la liturgie, le jeudi, on fait la prière avec les anciennes églises. Tu oublies. Qui? Dans quelle église? Moi, je ne vais plus jamais mettre mes pieds dans votre église. Ok. Comment ça? Je ne peux plus aller là-bas. Parce que si je suis allée là-bas une ou deux fois, c'était dans le but. C'était une gueule. C'était tout. Est-ce que je peux te parler une minute? Allez-y, je suis pressée. Bonjour, moi c'est le Gabonais et toi? Bonjour. Oh, je sais que tu es très belle. Non, tu es très belle et je t'apprécie beaucoup dans ce quartier. Je connais ton comportement, ta façon de faire les choses. En fait, tu es nickel. Il n'y a rien à dire. Oh, voilà. Mais tu sais, je t'ai vraiment observé dans le quartier que depuis je manquais le courage de venir te dire quelque chose. C'est qu'en fait je t'aime. Mmh. Oui. Et je voudrais que tu sois ma femme. Hé hey. Notre église ne permet pas ça. Tu es dans une église. Oui. Mais est-ce que c'est un problème? Je peux entrer dans ton église. Tu sais, oui, pour pouvoir te marier, je suis capable de le faire. Même maintenant, si tu veux. On parle même là maintenant, tu me présentes au pasteur, tout le monde, j'ancre là. Non. Et je te promets le mariage. Pas maintenant, pas prochainement. Je veux qu'on nous voit ensemble. Mais on va en faire comment pour se voir après? Parce que moi, je veux vraiment aller là-bas. Dieu pourra prochainement, s'il te plaît. Donc que je reste. Bye. Ok. On allait se marier, non? Me marier avec toi? Je t'aime bien. Je ne peux pas mentir que je t'aime. Mais moi, je ne peux pas ancrer dans vos fausses églises là. Je ne peux pas le faire. Je n'ancre pas là-bas. Va avec tes pasteurs, tes anciens d'église. Fais de ça ce que tu veux. Attends. Tu n'es pas soumis, non? Qu'est-ce que je veux leur dire? À qui? Aux anciens de l'église, aux pasteurs. Mais dis-leur qu'on t'a violée, c'est simple. Et je ne t'ai pas connue vierge. Mais attends, je n'étais pas vierge, mais j'ai pris les engagements à l'église, non? Je suis le seul homme à avoir promis quelque chose à une fille. Tu connais les hommes qui font les fausses promesses. Prends ça comme ça. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai fait quoi? J'ai promis que je ne vais pas. Ah, va la bouche là-bas avec. Une fille qui a même le puits et a creusé un peu de pâte. Oh. Qu'est-ce que je veux dire au membre de l'église? Quand t'as violé. Je veux le dire. Pourquoi tu me fais ça? Ne me dérange pas là. Pourquoi tu me fais ça? Je vais dormir. Qu'est-ce que je voulais dire? S'il te plaît. C'est quoi non? S'il te plaît, pas à l'église, s'il te plaît. Je ne parle pas. Tu veux que je parle en bas? Ça m'inquiète, mais je ne parle pas là-bas. Et ton pasteur là même d'abord m'énerve. Il est tout le temps en train de faire les grimaces où il enlève les démons. J'ai les démons pour aller dans votre église. Qu'est-ce que je me fais comme ça? Qu'est-ce qui t'a amené? Tu n'as pas aimé ce qui était fait là? Tu n'as pas aimé? Mais c'était réciproque, non? C'était réciproque. Qu'est-ce que je me fais comme ça? C'est seulement ce que je voulais. Je suis entré dans le modèle de l'église là pour pouvoir t'atteindre. Si je remets encore mon pied dans votre église. Les anciens de l'église vont me voir comment tu. Mais qui te voient comme ils veulent? Tu as vu mon corps. Qu'est-ce que je veux? Je suis le seul garçon à avoir vu ton corps. Il y a quoi d'exceptionnel? Regarde même les trucs finis, c'est comme les sans confiance. Les fesses, même avec les poules.